L'heure est à la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. C'est à Ouagadougou qu'a eu lieu la rencontre tripartite. La réunion de Ouagadougou entre les hauts diplomates du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso a abouti à un accord conjoint pour faire pression pour la levée de leur suspension de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Les trois pays font face à plusieurs enjeux et problématiques communs. Il s'agit donc pour Conakry, Bamako et Ouagadougou d'accorder leur violon en parallèle de la tutelle de la CEDEAO. Exprimé au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, la solidarité pleine et entière du Mali avec le Burkina Faso, avec le peuple burkinabé qui traverse un moment difficile, et pouvoir leur donner l'assurance que nous sommes dans le même bateau. De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères a assuré quant à lui qu'il s'agissait de mieux porter la voix des trois pays envers les organisations régionales telles que la CEDEAO, avec lesquelles les relations sont au plus bas niveau. Après le Mali, le Burkina Faso vient de demander le départ des forces françaises de son territoire, dans une volonté de suivre le modèle malien d'un affranchissement total de l'influence française.